Non mais ça c'est comment? Merci pour les câbles, mais Soko. Il n'y a que toi. Les gens adorent quand tu pavades, quand tu parles de balivène. Oui. Merci. Misunga 150.
Des codes. Ah, je vais arrêter encore. Et c'est toi qui nous fais vivre. Mm-hmm.
Misunga. Donc, si je comprends bien, il y a seulement deux personnes qui commentent ici. Hein. Parmi ce qu'on énergise, les restes ne commentent pas. Merci, mes deux Warus. Les codes sont finis. Je commence à toucher. Bon. Il y a des codes. Mais c'est glacé. Il y a un gars ce vendredi. Vendredi, c'est privé.
Vendredi, tous les vendredis, c'est privé. Le samedi, c'est Burganjanga. Donc voilà. Je suis souffrant, je ne mens pas. Je souffre depuis vendredi. Ça a commencé vendredi. Ça m'a gâté un peu. Mais c'est encore plus samedi parce que je n'avais pas bien dormi. Je suis sorti, j'ai fait une longue course. Alors là, ça ne m'a pas loupé. Hein. Ça ne m'a pas du tout loupé. Hein. Donc, ben voilà. Hein. Moi, hier, j'ai préparé le... Hier, j'ai fait le riz sauté. Que je mange aujourd'hui, demain, après, demain. Mm-hmm. Sent très bon ici au Ghana. Des bons senteurs de l'antan. Parce qu'il faut souvent prier pour toi, hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, moi voilà que t'appelles le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avec ma foi que j'ai en toi, je crois en toi. Fais que tous les mets que je vais préparer dans cette maison soient les plus délicieux. Que quand on pense, on ne veut pas aller manger ailleurs. On veut souvent manger chez Ongada. Je ne pas quand même tous les jours. Pourquoi je n'aurai pas la force? Mon Dieu, je te prie pour les Misunga, pour le porc brisé, pour le poulet, pour le héros, pour tous les mets, pour les soins. Il y a pas ça que je vais faire dans cette maison. Que tout soit délicieux et que les gens qui viennent manger ici ne font pas tout le bruit, qu'il n'y ait pas de bagarre dans ce Ganda. Mon Dieu. Viens regarder la misérable pauvre veuve. Moi, mon don, c'est de cuisiner. J'adore ça. J'ai les doigts culinaires, les doigts culinaires. Donc, je te prie pour mon petit Ganda. Que tout se passe bien. Que tu me donnes les beaux invités qui viennent manger. C'est des gens civilisés, qui sont bien honnêtes. Je ne veux pas les malhonnêtes ici. Je veux des gens qui aiment la joie comme moi. Voilà. Et qui aiment les choses simples de la vie. Donc, je te prie ce matin pour mon Ganda.
je vais commencer ça vendredi. Mais je commence déjà, comme je suis seul, je n'ai personne, je commence déjà à apporter les choses doucement, doucement. Il faut que mes soins soient mes soins les plus circulants. Que chaque ingrédient que je vais mettre pénètre dans les misuga. Ainsi que le poisson, le porc. Parce que tu as dit que en toute chose et en tout lieu, on doit te prier. Je te prie pour mon gardien. Je te prie pour moi-même, pour mes enfants, pour Namungwe, pour ma famille, pour tous les gens qui m'aiment. De par le monde. Voilà. Mon Dieu, aide-moi à faire mon petit gardien tranquille. Je ne veux pas les récalcitrants ici. Je ne veux pas les mécréants ici. Je ne veux pas les gens qui sont de mauvais augure ici. Tout le monde qui vient ici soit dans la joie et la bonne humeur. Merci, mon Dieu. Amen. Toscana, on a pris l'apéritif au milieu de la Méditerranée. Les lumières s'éteignent. Il y aura tellement d'étoiles. Tous les signes du zodiac sont là. Non, si, si, on est cool, Letna. On est descendu. Il faut moi partir la maladie ici. On va appeler Misuga. Deux espagnettis moins. Parce qu'elle a eu la béatitude après. Hein. Donc, sacrifier son budget vacances en la université de Saint-Rita. Ou en acheter un reconditionné par des professionnels à un prix bien plus abordable que. Saint-Rita, tu étais très dur avec moi. Joyeux anniversaire Saint-Rita. Toi, tu m'as jamais aimé. Je ne sais pas pourquoi. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie. Tout le monde va demander à Sainte Rita. Sainte Rita donne, maman, j'ai prié la femme jusqu'à. Elle est due jusqu'à. Moi, je m'en vais chez maman Marie. Mais moi, les choses comme ça, je vais l'anniversaire à Sainte Rita. Hein. Sainte Rita, la fiancée de Jésus, tu es née aujourd'hui. Oui, tu es née aujourd'hui. Parce que tu es une femme. Tu es née de, normalement comme il faut. Tu es devenue l'amoureuse de Jésus. Tu donnes, mais tu es très jalouse. Tu n'aimes pas qu'une autre femme aime Jésus plus que toi. Donc moi, je n'ai jamais aimé Jésus plus que toi. Moi, j'aime Jésus comme mon frère, comme mon grand frère. Je l'aime parce que c'est Jésus-Christ. Comme on dit souvent que Jésus a toujours 33 ans. Il est mort à 33 ans. Il est né le 25 décembre. Il a déjà plus de 1000 ans. Parce qu'il y a, il faut souhaiter, il y a beaucoup de choses. Toi, tu es né aujourd'hui. Hein? Marie-Thérèse, tu es né aujourd'hui. Tu as tellement aimé Jésus que Jésus t'a donné la force d'aider aussi les gens qui aiment. Que tu nous aides. Mais toi, tu as été Dieu avec moi. Mais même comme tu es Dieu avec moi à cet état, ce n'est pas grave. Moi, je te souhaite quand même un joyeux anniversaire.
Thank you.
Mais je vois de la boîte, la boîte ouverte. Hé! De tout si je m'arrête, je vais m'occuper de mon gada. Je veux qu'il y ait un vrai gada ici. Vous allez voir. Vas-y, va travailler, c'est pas le travail, ça, c'est un travail.